Je constate que bien souvent on choisit pas, mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine. Je joins maintenant le ministre de la Culture du Québec, Mathieu Lacombe. Monsieur Lacombe, bonsoir. Bonsoir, Madame Dussault. On apprécie que vous preniez le temps de parler de quelqu'un qui est peut-être, je ne connais pas votre âme, mais quelqu'un de votre génération, quelqu'un qui a pu vous accompagner, que représente. D'abord, comme ministre, vous avez écrit un mot très émouvant là, sur les réseaux sociaux. Il a marqué l'histoire du Québec, mais il a été la voix de tellement de monde, de tellement de combats. Il a aussi personnellement marqué ma jeunesse, puis ma vie d'adulte, de Repentigny, by the Sea, avec l'Amérique pleure en passant par les étoiles filantes et Tunes d'automne. Il vous a marqué ouais. beaucoup personnellement. Ah oui, 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 vraiment. Vous savez, c'est la première fois, puis là, c'est peut-être justement la génération. C'est la première fois qu'un artiste nous quitte et que ça me fait cet effet-là, parce que... Puis là, je comprends mes parents, puis je comprends les gens peut-être un petit peu plus âgés qui ont vu des grands nous quitter, puis qui sont si émotifs, parce que, oui, moi, c'est les Cowboys fringants, c'est ma première blonde, c'est ma première peine d'amour, c'est les voyages en voiture, quand j'avais ma première voiture où on jouait ça. Chaque chanson est tellement liée à des souvenirs heureux, à des souvenirs tristes, qui, je sais que c'est comme ça pour tellement de Québécois. Donc, moi, ce soir, c'est sûr que ma première réaction, c'est pas une réaction de ministre de la Culture, c'est une réaction de Québécois, puis d'admirateurs, qui est triste, qui a de la peine. Mm-hmm. Puis après ça, comme beaucoup de Québécois. Puis après ça, je pense que, comme ministre, je suis obligé de dire que c'est une immense, immense, immense perte pour le Québec. Oui, c'était une icône. Ce groupe est une icône, mais particulièrement Carl, dans la mesure où c'est sa voix qui portait les paroles très engagées. Est-ce que ces paroles-là ont pu vous inspirer, vous guider dans la vie? Est-ce que c'est le sens... Dans le fond, la chanson, c'est un art noble. C'est pas toujours reconnu comme ça, mais c'est un art noble, difficile, hein? Succinctement raconter une histoire, un message politique. Est-ce que ça a pu vous inspirer? Ouais. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis Je fais ce clin d'œil à Paul Saint-Pierre Plamondon qui, lorsqu'on a remis l'Ordre national du Québec au Cowboy Fringant, a livré un très beau discours où il disait « Sous-estimez pas l'impact que vous avez eu, vous, les Cowboys Fringants, sur beaucoup de gens qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui. » Parce que, puis moi, je me compte là-dedans. Parce que c'est sûr que, bon, évidemment, c'est un groupe très engagé, très québécois. Évidemment, on sait qu'ils sont souverainistes. Mais au-delà de la question référendaire, là, qui pour moi, mm-hmm. peut-être plus un détail, c'est un groupe qui défendait le Québec, puis qui défendait notre lutte identitaire, la lutte pour exister. Tu sais. Puis moi, ça m'a beaucoup inspiré. J'ai grandi avec ça. Tu sais, c'est, ouais. C'est la fin de mon primaire, c'est mon secondaire, c'est mon cégep. Donc oui, ça m'a marqué. Ouais, il rayonnait aussi dans toute la francophonie. C'est important. Exact. Puis Monsieur Rivard, avant, je trouve ça super intéressant qu'il l'ait nommé parce qu'on a eu de grands groupes au Québec. Tu sais. Évidemment, Beau Dommage, on l'a dit, Harmonium, on pourrait en nommer. Mais pour moi, les Cowboys Fringants, ce qui fait d'eux probablement le plus grand groupe de l'histoire du Québec, c'est qu'après 25 ans, d'abord, ils étaient toujours ensemble, mais les Québécois étaient tellement attachés à eux que leur salle était toujours pleine. Puis on parle pas de... petite salle, là, ils remplissaient encore des amphithéâtres de plusieurs milliers de places ici. M. Rivard le disait, ailleurs également. Donc, c'est pour moi, je pense, un bon indicateur de tout l'amour que les Québécois leur vouaient. Puis, je ne sais pas trop comment en parler aujourd'hui. C'est un peu particulier. J'ai pas envie d'en parler au passé, des Cowboys Fringants, même si la voix, évidemment, vient de s'éteindre aujourd'hui. Mais moi, j'ai envie de vous dire les textes aussi qui étaient signés par Jean-François Posé, Marie-Annick. C'est un travail d'équipe aussi. Donc, on est un peu remué par tout ça. Comme Michel Rivard, j'ai l'impression que mon propos est décousu. Non, c'est pas ça, mais c'est une nouvelle que j'ai pas vue passer. Là. Est-ce que les drapeaux vont être en berne au Parlement? Je vous avoue que c'est allé vite, là. J'ai pas cette information-là pour le moment, mais c'est sûr qu'on va trouver la meilleure façon d'honorer la mémoire de Carl Tremblay, parce que, bon,
Je pense que vous le saisissez, je pense qu'on le saisit tous. Là, les Québécois sont très, très tristes ce soir. Puis une information, moi, que je découvre là, ces deux dernières heures, alors qu'il y a un grand débat sur la diffusion des chansons, de la musique des artistes québécois, c'est que c'était les artistes québécois les plus écoutés sur les plateformes en continu. Oui. Ça rend pas riche personne, les plateformes, vous le savez mieux que moi. Il y a beaucoup à faire pour rééquilibrer tout ça, mais ça veut dire que ce message-là était universel aussi. Bien, tout à fait. Puis, tu sais, ça a touché, on l'a dit, beaucoup de gens en France qui devaient comprendre à moitié rien, honnêtement, des chansons, parce que c'est tellement québécois dans les expressions et tout ça. Puis moi, je me rappelle de leurs premiers albums, là. Tu sais, si vous avez du temps ce soir, vous irez voir ça, là. 12 grandes chansons et Sur mon canapé, deux albums, ouais. Le jaune, le bleu, à la fin des années 90. Je vous dis, ça n'a rien à voir avec les chansons d'aujourd'hui. C'était une toute autre époque, mais leurs chansons sont passées de chansons très humoristiques avec des références à Repentigny, Berthierville, de où ils venaient. Et avec Break Syndical, ça a changé, ça s'est internationalisé parce qu'on a touché les publics ailleurs. Donc oui, je pense que le fait qu'ils brillaient comme ça sur les plateformes, c'est pas étranger à ça. Ils venaient un peu de votre coin de pays, si je comprends bien. Oui, de Repentigny. Ben, moi, je suis un petit gars de Repentigny. Donc, quand ils étaient là à la fête nationale, à la Saint-Jean-Baptiste, là, quand j'étais au secondaire, c'est début des années 2000, c'est des Saint-Jean-Baptiste épiques. Je pense que c'est le bon adjectif. Effervescent. C'était très effervescent. Très effervescent. Puis, je vous raconte l'anecdote, peut-être, s'il me reste quelques secondes. Parce Allez-y. Que ils ont toujours été très discrets, hein, les Cowboys fringants. Pas de grandes entrevues, pas de... Et pourtant... Moi, j'ai vécu un moment de grâce avec eux. Ils étaient aussi engagés. Et moi, je viens d'un milieu très modeste. Et à Repentigny, donc, où j'ai grandi, une dame organisait des Noëls, vous savez, là, pour les gens qui venaient de milieux plus difficiles, pour qu'ils aient des cadeaux, qu'ils aient une belle expérience à Noël. Et un jour, je ne le savais pas, ils m'organisent quelque chose, j'ouvre la porte. Les Cowboys fringants sont là. Ben voyons. Et c'est au début, là, ils commençaient à peine à être connus. C'était à l'époque de Break Syndical. Ouais, et ils étaient là, ils avaient pris le temps de venir. Puis à cette époque-là, moi, je suis un petit gars qui n'avait pas tellement confiance en lui. Ça n'allait pas bien à l'école. Ça m'a tellement marqué. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, entre autres, je les aime autant. Mais je pense que ça dit quelque chose aussi sur eux. Tu sais, de prendre le temps de faire ça pour un petit gars anonyme de 10 ans à l'époque, là, tu sais. Ouais. Ça m'impressionne énormément. Deux choses que je vous dirais, c'est que moi, j'ai interviewé, dans le cadre d'une émission comme celle-ci, d'Affaires publiques, Jérôme Duprat, qui est un docteur en sciences environnementales, tout ça. Mais jamais, il y avait comme... il défendait l'environnement, mais il fallait surtout pas... alors, on offre nos condoléances à toute la famille, bien sûr, pas à Jérôme, qui défend toujours la cause des changements climatiques. Moi, je les ai vus à l'OSM. Écoutez, la maison symphonique, là, le plafond, j'espère qu'il y avait des bons architectes, parce que le plafond aurait pu sauter, littéralement. Avec des arrangements de Simon Leclerc. Oui, des arrangements de Simon Leclerc. Écoutez, on sent que vous êtes très, très peiné. Bruno Marchand, tantôt, nous disait qu'il avait le goût de manger des chips. Peut-être boire une pierre, là, je ne suis pas trop sûre, puis d'écouter de la musique en boucle. Alors, je vous souhaite ça pour ce soir. Puis je souhaite ça à tous ceux qui j'ai deux heures de route à faire, là. Je pense qu'il va y avoir quelques larmes et beaucoup de musique. Puis l'Amérique pleure, ça s'écoute bien aussi en auto. Hein? C'est un peu notre situation en ce moment. Mais Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, merci d'avoir rendu un témoignage si personnel et généreux pour Carl Tremblay. Je pense que sa famille va apprécier. Au revoir. Merci. Toutes nos condoléances. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.